Mortel à Trois-Rivières. Une femme dans la vingtaine a perdu la vie tard hier soir, l'autoroute 55 Nord à Trois-Rivières. Vers 23 heures, son auto a été frappée par un autre véhicule qui roulait à haute vitesse, selon des témoignages recueillis par des policiers. La collision a provoqué une sortie de route pour la conductrice qui a subi des blessures sérieuses. Son décès a été constaté à l'hôpital. L'autre conducteur, un homme dans la quarantaine, n'a subi que des blessures mineures. Et il a été arrêté pour capacité affaiblie et conduite dangereuse causant la mort. En ce moment, l'autoroute 55 Nord, donc en direction de Shawinigan, est fermée entre le boulevard Saint-Michel et le kilomètre 196. Des enquêteurs de la Sûreté du Québec sont sur place pour faire la lumière sur cet accident survenu la nuit dernière.